Salutations YouTube, on va faire un challenge de repentance qui s'appelle Isaac's Awakening et j'imagine que c'est en rapport avec Zelda. Ah bah oui bien sûr. Pourquoi la manette elle marche plus, elle marchait il y a 2 secondes, c'est chiant là, hein. C'est chiant. Il casse les couilles hein. Attendez. C'est bon on a... Ok. Mais c'est ça le... Et le power bracelet, il fait quoi? J'utilise le bracelet. Je sais pas ce qu'il fait. Faut que je laisse appuyer? Non. Mais il fait quoi? Ça, on me l'a proposé au shop plein de fois. Ah mais oui! Trop bien! C'est le bracelet de Zelda. On va trouver des Magic Mushroom, hein. Vous allez voir, ça va être incroyable. Pourquoi j'ai pris le cœur bleu idiot et la Curse Room et tout ça? Ah, c'est trop bien. Ok. Je suis comédien de doublage également. Ok. Faut tuer Mother, c'est ça le l'objectif? Ah, faut le savoir. Vous m'avez spoilé, mais c'est pas grave, je vous pardonne. Ah oui, parce que elle est en gris dégueulasse. Merci Prid pour les 5 subs. Bon. Ah, j'ai des bombes. 1. Idiot, idiot, bête, con. Ah bah de toute façon ils font le cheminement sans embrouille. Ok. Alors, il faut qu'on optimise un maximum quand même parce que Mother c'est pas une mince affaire. Et bah tant pis, je fais ça. Attendez, vu que c'est une petite salle là, ça veut dire que ça, elle peut pas être là la secret. C'est-à-dire que le seul endroit de la secret, c'est là. Sinon j'arrête tout. Ok. Oh, la belle prise. Est-ce qu'elle va être aussi à droite? Ou est-ce qu'elle va être là, la super secret? C'est assez rare qu'elle soit dans la même salle, non? Je veux le savoir. Bah si. Soulever les cailloux piquants. Ouais mais je vais prendre la max. Ah mais je m'en fous, il y a des cœurs. Don't worry, be happy. Vous avez raison, testons. Aïe, 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 aïe. Et peut-être que je peux trouver une échelle de corde en soulevant l'intégralité des cœurs, des pierres, et faire chier l'univers entier. Mais il y a du pognon partout, j'hésite à prendre la clé. Si vraiment le jeu me déteste, je craque. Je pourrais prendre le coffre là, mais bon. Pas sûr que ce soit fou. Je pense que je vais être déçu.
Oh, je suis tenté. La tentation est trop forte. Je suis très déçu. Il y a un monde où on peut passer en diagonale. Ah non, je vais pas le tester. Je suis extrêmement déçu. Ah mais attendez. Ah oui, bah c'est cool qu'il m'ait... Oh. C'est cool qu'il m'ait ouvert l'accès parce que... Ah mais ça veut dire que j'ai même pas besoin d'utiliser de clé. Bah, ils vont me filer l'accès gratuit aux mines, à tout. C'est un peu des bros. Je pouvais prendre avec la carte, c'est ce que je me demandais, mais ça allait être chaud. Mais je pensais qu'il y avait de l'argent. Je suis très déçu. Je l'ai pas testé parce que ouais. Ouais, on se comprend quoi. On se tient au jus quoi. Mais ouais, cette musique c'est un hommage à Zelda, c'est grillé. La musique de Donjon de Zelda. Ok. C'est quoi ça? Rune shard. Je vais tenter ça sur un objet de boss ou... Oh non. Oh, j'ai crevé. J'ai choisi d'y aller de manière assez subtile. J'ai envie. Trop tard, j'ai envie. J'ai plus de vie. Quoi, mais c'est tout? C'est ça l'étage? Non, mais j'ai pas utilisé mon rune shard alors que je voulais l'utiliser. Ah, ça a fait Yera. Mais non, mais ça serait, c'est pas possible, ça serait comme une blank rune. Enfin, ça a pas fait... Ça... Je suis dans la merde. Mais le couteau, ça m'a apporté quelque chose. C'est juste de la baisse, ça m'a juste apporté cette attaque-là. Enfin, qui a l'air forte, hein, mine de rien. Putain, mais j'ai besoin d'un... Oh, tant pis, je vais bomber les trucs. J'ai besoin d'une clé. Absolument. Évidemment que ça allait pas être là-dedans. Est-ce que je gamble un peu avant? Probablement. Où Jésus? Finis-moi une clef. Mais attends, on a peut-être accès avec la secret room au shop. J'ai quand même gamble mes 15 balles. Ah, une clef. Oh. Scatol, let's go hein. C'est quoi en haut à gauche? C'est t'as un billet d'un dollar. Et ça me donne donc 99 pièces. Parce que ce sont des pennies. L'argent que qu'Isaac. Quand on est riche dans Isaac, en fait on est pauvre. Ah! Alors ça c'est une excellente nouvelle. Une clef. Bordel. Allez. C'est pas possible, il le fait exprès, je le déteste. Il me donne beaucoup de bombes. J'ai besoin d'une clef, si j'ai pas de clef. Oh non, Scatol, oh, j'ai presque envie de le détruire.
Ok. Parce que s'il me file Scatol, il me filera plus de clés. Et je pourrais même pas le bomber pour avoir des clés. Ensuite, il y a les secrets. Non, mais on va y arriver, on va y arriver en vrai. Je surstresse pour rien. C'est qui? Ouais. Très bien. Je crois que ça peut être à côté de la cœur, ceci, hein. Donc c'est sûr qu'elle est là. Ça, c'est une bonne nouvelle, déjà. Voilà, secret. Malin. C'est pour ça que j'ai pas... Oh. Ah oui, j'ai pas d'item room. Donc on est bien d'accord que cet objet-là... Faut pas le prendre. C'est un vieux bait tout nul. S'il y a pas d'item room, ça sert à que dalle. Ok. Vas-y, file ton scatole, quoi. Oh. Ah, file une clef. C'est pas possible, je le déteste. Ça va mal se terminer, hein, cette histoire. On sait comment ça va se terminer, hein. Il n'y avait pas de cœur bleu alors. Speed up. Infini qui fait plaisir. Ok. File-moi. File-moi ton scatole. Ah là là, je me revois en train de perdre tout mon RSA pour essayer d'avoir une PlayStation tombée du camion. À la fête à neuneux. Vas-y, j'en ai plein le huc. C'est fini. Non, ma clé. Mais attends, mais j'avais pas pris un demi-cœur bleu, qu'est-ce qui s'est passé? What a baise? Mais non, mais j'avais déjà un demi-cœur bleu. C'est vrai que ma situation était vraiment désespérée. Ok. Je pourrais bomber ça, mais ça serait vraiment ridicule. Je refuse. Le taux de drop de cœur bleu dans les flammes bleues, c'est vraiment trop faible maintenant. Merci encore Prit pour les 5 subs offerts, bien sûr. Merci pour les subs. SkyZix, Godline Maxu, Cellophane TV, Arcus, Jinx, merci. Oh là là, que des grandes salles. Au secours. Ah, il faut pas que j'oublie que je peux soulever des rochers. Genre, tac. Je suis un malade, moi. Je suis un déglingo. Mais pourquoi il a pas... Ah oui merde, c'est vrai, on a ça à faire, on a ça à gérer, oh là là. Ah, il refuse de la bouger une fois qu'elle est chargée. Donc là, je tire forcément à droite. Hop là. Non. Oh, je vais oublier ce bolos. Où sont mes bolos? Ah non, tu vas pas me faire ça, hop là. Quoi? Ok. Ça sert à rien. Oh, ça a l'air fort, hein. La transfo couteau, là. Ah, et par contre, il me lock à droite, hein. Jamais je peux changer une fois que c'est chargé. Mais ça a l'air... C'est beaucoup trop fort, par contre.
Glass Cannon ou l'objet du pif. Glass Cannon, ça doit être dingo. Mais c'était quoi l'arnaque? Parce qu'avant, c'était ça te niquait toute la vie. Je crois que là, ça te... On l'a déjà utilisé la dernière fois, j'avais vu, j'avais jugé. Ça fait une grosse bouboule, ouais, ça me ferait une énorme épée, c'est sûr. Glass Cannon en The Lost. Oui, je me souviens. C'était une giga larme. De temps en temps. Attends, mais pourquoi on a un item room maintenant? J'ai pas pris more options parce qu'il y avait pas d'item room au premier, et là il y a un item room, mais bordel de merde! Tiens! Peut-être. Peut-être en vrai. Oui, je sais que je dois choper la clé, hein. NP, NP. Qu'est-ce qu'il fait, idiot? Mais j'ai plus de clé pour le shop. Ma vie pue le sexe. Officiel. C'est pas vrai. Oh non, pas comme ça, Zinedine. Et mon shop, j'y vais comment, bordel? Oh non... Et d'abord, je fais le boss. Je lui prépare. Un one shot des familles. Oh non, c'est lui. Quel enfer. Quoi? Pourquoi tu l'as pas touché? Touche-le. Joli. Retouche-le pour voir. Non, au secours. Pourquoi tu veux taper vers le bas à tout prix? 1. 2. Au secours. Tu sors par où? J'ai loqué à droite, ma vie pue le sexe. Aïe. Ok, c'est parti, la super secret. Elle peut être en haut là. Elle est là, on me la fait pas, elle est là. Attends mais... Oh, qu'est-ce que je fais, idiot? Ils me font le coup encore de dans la même salle? Ok, donc Elle est... Ah oui, mais c'est vraiment ça, la base. Au secours. Est-ce que... On peut ouvrir les salles secrètes avec des rochers, non? Mais je vais vraiment tout niquer, je vais pas la trouver? Ok. Pas énervé. Speed down. The hanged man.
Dans The Lodge, j'ai chopé la clé. Ah, peut-être. Bon, allons-y, alors. Donc, le miroir est là. Elle était où, déjà? Forget Me Now? Ah! Ensuite, j'ai tellement peu de ressources que le rocher... En vrai, un Forget Me Now... Parce que bon, le rocher... Oui, d'accord, c'est rigolo, mais Osef... Forget Mina après le Lost. Qu'est-ce que ça change? Oui, bon. D'accord. La challenge room. Ah oui, j'aurais dû prendre la challenge room. Avec le télépills. Oh, vous savez quoi? Fuck les cœurs bleus. Je suis con. Don't worry. Ne vous inquiétez pas, je suis un professionnel du gaming. Rends-moi ça. Oh les bâtards! Tout va bien. Ok. Ils m'ont chopé dans l'yonf, quoi. What a life. C'était oui, près de la Curse Room, hein. Putain, ça en fait du chemin. Pas tant que ça, en vrai. Mais l'itemo, mais juste à côté, mais c'est du génie. Ah, mais juste, je vais me taper une grande salle, quoi. C'est un peu Phil's Batman. Ensuite, si je vais me taper le boss, un autre objet, quoi. Allez hop! Vendu. Ah, Curse of the Lost, sympa. Et tourne, tourne, tourne. Ah oui, je vole pas, je vole pas. Détail important. Mais non, mais c'est chiant là. Oh oui, mais c'est vrai que je peux choper avec mon épée. Ok. J'ai pas de cœur bleu cependant. He's ok, he's ok. Je lâcherai mes plus beaux pets quand je me ferai toucher. C'est superbe. Merci Azulias pour les 53 ans. Voltirios, merci pour les deux siècles. TLF08, John Knowles. Colucci42, merci. Merci pour vos resubs. C'est énormément, n'hésitez pas. Hein. Avec Prime Gaming hein, qui sauve des vies. Hein. 100% ça marche pas, non? Double shot. Oh, faut le savoir. Ah si! Regardez ça! On est bien d'accord, non? Elle est un peu doublée l'épée. Dans la... Oh oui, oui, il y en a deux! Oh my god!
Et barrez-vous. Heureusement que j'ai le bouclier, hein. Ah bah j'ai trouvé l'item room, j'ai trouvé le shop. Je vais y aller, hein. Putain, mais j'aurais dû prendre more options, là. Je me suis bien fait baiser sur ce coup-là, hein. Ah, il faut pas que je réappuie, sinon je cancel ma merde. Ok. Le miroir, mais pourquoi je prendrais le miroir? Le miroir, il est fait. Bon. Merci à tous, hein. Si vous voyez un rocher marqué, dites-le moi, hein. Ok. Oh non. Et c'est nul. Ah non. Oh, de toute façon, c'est plus utile que ce que j'ai, vu que ce que j'aime sert à rien. Ça, c'est quand j'utilise une pilule ou une carte, elle a une chance de repop. Ah si, du père libro qui nous a raid, visiblement. Et le sage blanc. Mais je ne sais pas avec combien. Vu que Twitch bug. Oh les coquinous, les coquinous, les coquinous. Mais ma vie est merdique. Mais encore de la thune, sérieux? Très bien. Oh. Mais putain, mais je suis complètement con, c'est ça le problème. Du coup, j'ai plus de cœur bleu. Énorme. Énorme, 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 énorme. C'est chiant. Ouais, c'est méga chiant. À faire office de protection. Pour une touche. Ok, mais 67,5% de chance. En plus, beaucoup plus si je bombe le mendiant, genre des batteries. Faut pas que je réappuie, bordel. Voilà. Ouais, ça, c'est trop fort. C'est vraiment l'effet couteau, quoi. Un DPS est monstrueux. Faut juste jamais réappuyer. Jamais. Ah mais c'est trop chiant qu'il register là. Faut pas réappuyer vite sinon il garde la direction que j'avais, voilà. J'avais shot avant. Vraiment delay ses coups d'épée. Attendre que le coup précédent soit terminé. Sinon il lock la direction. Un petit cœur bleu là. Ça sent le grid ça. Je prépare mon entrée. Non, avant de prendre Joker, il faut que j'ai ça. Si jamais j'ai Devil Deal.
Sérieux? Mais putain! Ma grande question, c'est est-ce que je pars avec Joker ou 48 Hour Energy pour pouvoir utiliser 2, 3, 4 fois Mr. Me dans la même salle? Je pense que Joker est quand même mieux. Ouais, ouais. Au pire, même si je veux, je pré-shot Joker tout de suite dès que j'arrive. Ouais, l'étage prochain. Et comme ça, si c'est intéressant... Machine de don du sang avec tant de cœur. Je garde mon HP up, ça. À quoi que Mother, on joue avec le polar. Ah ouais, ça, j'aurais pu. Est-ce que j'utilise vraiment mon Joker en réalité? Il y a une petite chance que je l'ai naturellement. C'est très con ça. Oui, sinon je pré-shot Joker tout de suite, hein, mais... Mais non, en fait, ouais, non. On se débrouillera. Ok. Le pola négatif en allant à Mother, mais non, ça c'est en allant à The Beast, non? Que The Beast, je pose le pola dans la porte, mais Mother, en aucun cas. Tellement fort avec le knife, incroyable. Hein. Pour la collecte, je sais pas si je l'ai eu. Incroyable. Ah, pas de collecte en challenge, oui, idiot. Ok. Pourquoi je l'ai pris? T'es un malade, Bernard. Pourquoi je l'ai pas volé? Enfin, y a un monde où, où on veut perdre les cœurs rouges en vrai. Ok, c'est pas trop grave, c'est pas trop grave. Tu. Ok. Ah non, il y a encore un truc. Vas-y, je charge. Bah oui, il y a en effet un truc, oui. Ah, du coup, je redeviens un petit Isaac avec ses larmes.
Feels bad, man. C'est pas grave, c'est pas grave. Oh, la clef. Ah, on s'est marqué ? Ouais, mais j'ai pas de bombe. Là, j'arrive à poil, sans ressources. Sans objet, tout ça. Oh là là, tous ces roses, tous... Oh là, oh les cœurs bleus, c'est injuste. Ok. Vas-y, fonce-moi dessus. Oh, t'es nul, hein, t'es nul. Ouais, maman, franchement, fais un effort. Ok. Hop là, hop là. Vas-y, vas-y. Ah, ah, c'est loupé. Ah, essaye là, là. C'est loupé. C'est loupé, c'est loupé, c'est loupé. Ah, la clef, yes. Ah bah oui, d'accord, je comprends mieux. Je suis ici, là. Ah, ouais, bien joué, maman. Ok. Hop, c'est bon. Oh, hop là. Ici, hop. Sauf qu'il y a des trucs dans les caca. Oh, la clef. Ça va être nécessaire, j'imagine. Pas du tout. Comment je fais? Ah oui, c'est là-bas. Leave Isaac alone. C'est chiant ça. On va se la faire comme as. Non, au secours! Très bien. Attention à. Attention tout de même. Non, mais pas. Oh, pas terrible le placement de maman là, c'est abusé hein. Attends, il y a de l'argent. Ok. Ti-ti-tu-tu. Ti-ti-ti-ti. Ah, j'ai déconné, hein. J'aurais quand même dû utiliser Mister Me pour le Devil Deal, hein. J'ai trollé à mort. Parce que je drop pas de cœur bleu. Et du coup, c'est quand même un peu la Hesse. Hackers Room, non. Ah non. Merci Puyo qui offre un sub à Narnilia. Merci beaucoup Jean-Rhys, Erin Zaku encore pour les primes. Rilanor, merci. Merci Antigravity, Oli Luludis, Arcanis, Kenzie pour les resub. J'en répète des fois, je sais, mais ce n'est que de l'amour. Alors le problème d'Empty Vessel, c'est que c'est bien quand j'ai pas de cœur rouge, typiquement, voilà. Donc est-ce que je dois essayer de le voler, le péta? Ça donne deux cœurs noirs en plus, ça c'est... ah oui, ça c'est Bombay. Est-ce que je dois le prendre ou le péta? Bon allez. Bah c'est bien. C'était bien. Oh, vous avez vu, c'était un poussin noir. Un petit poussin. Parfait. Bon, j'ai marqué. C'est vrai ça? Ça m'intéresse. Hein. Merci. Ok. Quoi? Oui, vu. Mais vous avez vu quoi? Mon cul? Oh là là, oh, mais c'est discret! C'est vraiment ça? C'est une croix ça? Quasiment la même couleur. Oh, c'est un double rocher marqué. C'est arnaque. Ah, ça perd quand même 0,20 de vitesse. Hein. Ah, mais on va certainement pas dire non à du dégât.
Bravo à vous, jamais douté hein. Oui, ça c'est chiant. Je savais que ça allait pas me plaire, mais je m'en souvenais pas. Alors ça, c'est gratuit. A freebie! Une salle de dés. Attendez, mais il y a un item room ici. Il y a même un shop. Faut profiter, hein, on est là pour profiter. Putain, mais si j'avais pris le There's More Options, là, les item room, on serait tellement fait plaisir. On aurait eu deux choix plus le blind choice, quoi. C'est vraiment une belle carotte de pas nous avoir mis d'item room au premier étage. Eh, mais il fait mal le couteau nul. Bravo à lui. Paf. J'ai un couteau au fion. C'est vraiment une run lame. Le boomerang. Le boomerang, ça pourrait être plus drôle que les portails, là. Pour choper des trucs à distance. Death. En plus, c'est RP Zelda, tout à fait. On est très dans le RP ici. Oui, j'étais RP, hein, va falloir s'y mettre. Hein. On avait promis ça aux events. Hein. Bon, ensuite, c'est vrai que des promesses aux events, il y en a plein qu'on n'a pas tenues, donc ça pourrait faire partie de celle-là, mais... Faut tester. Ça compte mourir con, quoi. Enfin non, mourir con, c'est une certitude, mais... Voilà, quoi. Ok. Si tu as une seule. Ah, j'ai envoyé un mail à Danger. Maintenant, c'est lui qui me répond plus. Mais je crois qu'il me déteste maintenant. Je crois qu'il m'a rayé de son carnet d'adresse. Mais sachez que j'ai répondu quand même. Ça reroll l'intégralité des... c'est un D20 sur... ouais, c'est un D20 sur l'étage, hein, on est d'accord. Il y a un chest... Il y a un chest doré, là. Oh, je suis con, j'aurais dû abuse cette machine de don du sang avant de faire le 3. Ça aurait pu être très fort. C'est quand même un beau tirage. Et attendez, j'ai une carte The Hermit, c'est ça? Je vais quand même prendre le coffre de la Challenge Room. Maintenant que j'ai Mom Ski, il peut être fort. Même si c'est un coffre nul, au moins j'aurai des consommables, des ressources. Ah, mais... J'avais pas vu le petit trou. Ok. Ah, mais du coup, ça a transformé en cœur bleu. Ouais, voilà, super. Je suis vraiment un connard. Ah, parce que là, la vie commence à être précieuse quand même. Hein. Moi, j'y vais pas du coup. On m'a saoulé. Ah, j'ai pas fonté lui encore, non? Ce nouveau Loki démoniaque. Hop là. Ça dégage. Blood clot, ça sert à rien avec l'épée, probablement. C'est même sûr. Hop là! Oh, le RP est total, hein. Ah non, ça va pas fonctionner. Dalle queue. Feels bad, man. Salut, Jules. Oui, c'est un challenge. It's a challenge. Merci, Tribac. Desflore 19 pour les resubs. Bon, mais alors c'est bizarre cette règle, quoi. Les items room, oui, mais pas tout le temps. Ici, il y en avait, hein, il me semble. En tout cas, s'il y a un magasin, c'est bizarre, quoi.
plus fort la musique. Je sais pas pourquoi c'est aussi fort ici, hein, c'est un délire. Hein. Oh, ça c'est magnifique. Oh, c'est incroyable. Ok, parce que j'avais perdu avec le... la stone. Joue mieux, bordel. Ok. Est-ce que c'est pas le moment quand même de se faire un petit Wheel of Fortune? On pense. Quoi qu'on peut avoir un monnier, quoi, le power. Hein. On peut avoir des pretty flies, quoi. Je sais plus si je peux sortir... Oui, je peux, hein. Attendez, attendez. Ah, quoique, j'ai un... Si, il me semble. Du coup, est-ce qu'il y a un item room? On sait pas du tout. Allez, je fais le dingue. Un petit pigeon. Non, un poussin. Ok. Ça dégage. Ok. Je vole toujours pas, c'est vrai que c'est un... C'est chiant. Incroyable ça. Oh oh, même pas besoin de ça. Oh. Oh, la belle prise. Vous êtes prêts pour l'e-sport? Oh. De toute façon, j'allais faire ça donc. Kawaii desne. Ok. Y a pas d'item monde donc. Hmm. Parce que j'ai treasure map donc je vois tout. Donc je pourrais gamble toute ma fortune. Enfin, ça me saoule. Bon, allons voir ce qui se passe là-bas. Ah bah oui. Ah non, c'est une môme, donc je pourrais pas ressortir. Oh non, j'ai loupé l'occasion de gambler, mais c'est pas grave parce qu'on va avoir money equal power. Et... Oh là là, mais... Oh mais... Oh non. Oh, la môme ici, c'est pas ouf, hein. Sale bail, j'avais oublié ça. Sûrement parce qu'on on l'atomisait. Ah, c'est tout. Mais en plus, ça pue la merde. C'est Missing Page 2. Allez, vole-moi ça. Roll pas, s'il te plaît. Merci. Ça me donne quand même un cœur noir. Mais pas mal. Face up. Face, j'ai toujours eu du mal. Hein. Donc là, je vais avoir plus de cœurs bleus avec ça? Ou juste des cœurs éternels? Ça... Qu'est-ce qui se passe si je keep the face? Chance d'Angel. Ah oui, mais là, ça va être compliqué. Bon, on s'en fout. Je préfère garder mon Endless Nameless. Qui peut me redonner mes cartes. Donc oui, on va par là. Oh là, mais ça fait tellement mal. Ouais, en plus, il a été particulièrement sympa cette fois-ci. Attention au jumpscare. Incroyable. Et c'est parti pour explorer le cadavre de maman. Quelle ambiance.
Ah oui, dès que ça rentre en contact avec quelque chose, ça annule ma charge, ok. Bon, il y a plein de petits... petites conditions. Alors, d'accord. Vous voulez qu'on gamble? Vous voulez qu'on se fasse chier? Au bout de la nuit? En vrai, j'ai que cette attaque-là qui est forte, hein. Tout le reste, c'est faible, donc... Vive le knife, en tout cas. En fait, vu que maintenant, j'ai les propriétés du knife sur mon truc, je pense que ça a tout changé. On peut gamble. Oh là là, oh, on est là jusqu'au bout de la nuit, hein. Quoi? Mais quoi? Quand? Pourquoi? Ah, faut pas rester dedans. Ok. Regardez, je vais l'utiliser, mais je vais la redrop, donc c'est pas grave. Et tout sera pardonné. Ah non. Est-ce qu'on se fait un Meat Boy 4? Ah, pour un petit vaisselle en plus, ouais. Allez. Bon, maintenant par contre, on va faire dropper des cœurs, hein, parce que Mother, c'est une sale histoire, hein. Cette machine peut me dropper des cœurs bleus. Elle va péter au bout de 3 essais, je vais pas être énervé du tout en vous. Mais je vole! Oh là là, mais oui, d'accord. The Sun, oui, bien sûr. Ah, c'est Corpse One! Il y en avait deux, putain, j'ai oublié qu'il y en avait deux des étages de cette aura. Elle est complètement en train de nous carry, hein, cette machine. Si elle nous file la Crystal Ball en plus, c'est Gucci, hein. Pas mal déjà, hein. On va faire le tri dans ce qu'il nous a filé. Incroyable. Alors on a un Death, on a un Wheel of Fortune, un The Stars, Magician. Pas sûr que Magie... Vas-y, on prend. Ok, c'est parfait. Ok. Ah mais si, Zion Pro, si. Vous voyez, c'est Corpse 1, mais je rentre dans le trou et c'est boss. Donc ou bien j'y... Bah j'y vais maintenant en vrai, non? Let's go, hein. Ah, y a bien deux corps. Ah du coup, je garde un damage item. Oui. Hey, Meat Boy, hein. Compte sur toi. Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'on les reconnaît, les rochers marqués ici? Rien de moins sûr. Magician. Tiens, j'ai envie de tester pour savoir. The Magician. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, ensuite, Mother, la hitbox est tellement grosse que bon. Ah, mais attends. Ah, mais je suis... Attends, mais non, parce qu'il a contrôle Tears. Mais là, ça a fait homing quand même. Magician, c'est qu'une salle. On prend rap.
quoi homing, c'est la tête chercheuse. Très fort. Possible grâce à la carte The Magician et quelques objets comme par exemple la cuillère. La cuillère tordue. Décevant ce Mom's Underwear. Maintenant j'ai un sacré range hein, sur mon attaque. Si ça m'aiderait quand même hein, pour Mother. J'ai perdu deux cœurs. Quel dommage que ça m'ait pas filé une carte Hierophant. J'ai encore 6 balles. Si j'arnaque deux cœurs bleus, je pars avec mon Zi Empor et c'est formidable. Juste je... Merde, non, qu'est-ce que je fais? Juste le seul truc qui est dommage. C'est que j'aurais pas... Marrant le remote avec le boomerang, on aurait pu troller le jeu. Mais c'est plus le cas. Alors. Avec qui à la salle d'arcade déjà? Ah oui. On va tout bomber, hein. Explose celle de gauche pour les dollars. Oui, on peut faire ça en plusieurs étapes. Quelle est ma stat la plus faible? La speed. Wooden Cross, c'est un hit gratos. C'est à l'arrivée de l'étage et un Holy Mental. Why not en vrai? Merde, je l'ai lâché où mon Zi Empereur? Ailleurs. J'avais une carte Wheel of Fortune, ouais j'ai trollé. Pas grave. Mais attendez, on a la super secret. Qui est là. Merci à tous d'avoir cru en moi. Elle peut être à droite, elle peut être à trop d'endroits, c'est super chiant. Attendez. C'est Mother quand même, c'est serious business. Hein. C'est pas des animaux. Ah mais j'ai Polaroid en plus, mais pourquoi on se fait chier? Non mais c'est pas grave. Mais pas un death? Ouais. C'est jamais hein. The stars. Worse. Ok. Je vole, hein. Ok. Pfft.
Ça paralyse pas le boomerang aussi. Regardez. Eh, putain, ça a marché. Insane. Quoi ça? Ok. Bien normal. Let's play, let's play, let's play. D'accord. Ok, la wooden cross vient d'être utilisée. Bon, ce qu'on lui met, c'est illégal. Putain, mais j'oublie à chaque fois. Putain, mais le boomerang, c'est incroyable en fait. Insane. Je le fais exprès, je pense. C'est toujours le même pattern parce que si je pouvais éviter de me faire défoncer à chaque gauche-droite qu'elle fait, ça serait worse, je pense. Ah, mais c'est le petit vaisselle qui me donne du. Oh là là, ouais, il se passe plein de trucs là. Ce bouclier là, c'est le petit vaisselle, c'est pas le Polaroid. Ça va bien dégager. Alors quoi, aller à gauche et à droite après. Ok. Et là au milieu. Oui, Didi, très vite. Ah, la Spirit Sword. Donc ce que j'ai eu là, on peut jouer à... On peut avoir un build avec cette épée. Trop fort. Merci Junkie Drunky pour le siècle. Royal Titan 13. Carte Scorpion 85. Mon Ploki. Leguman. Pour les resubs, merci beaucoup. Ah, incroyable, c'était cool. Master Sword. Une heure, hein, mine de rien. Aaron Mother, quoi. Des bisous YouTube.